Allez, salut tout le monde, ici iPlay4U, c'est parti, on attaque 7ème épisode de ma saison Icewind Dale en mode hardcore. 7ème épisode, et c'est parti pour 20-25 minutes de pure détente et de pur bonheur, avec toujours ces fameuses bulles de dialogue qui doivent vous inviter, comme d'habitude, à vous rendre sur mon site internet www.iPlay4U.fr. J'en fais pas mal de promos, mais c'est normal, vous n'avez pas idée du travail qui est fait derrière, et du coup, quand on a une petite visite sur notre site internet, c'est toujours plus sympathique. Donc n'hésitez pas, si vous voulez nous remercier, à vous rendre sur notre site internet. Allez, c'est parti, on y va. Je vous embête pas plus longtemps, on avance. L'objectif de cet épisode est assez simple, il se trouve ici. Voilà, il y a un donjon ici, un immense donjon, et du coup il va falloir y aller, quoi. Je suis en train de repérer le chemin. C'est par là, voilà. Donc immense donjon qui se trouve sur plusieurs niveaux. Mon équipe est au complet, ça n'a pas forcément été évident. On a eu surtout notre paladin qui est mort deux fois, je crois notre mage une fois. Je rappelle que l'objectif, c'est d'avoir interdiction formelle que tout mon groupe ne trépasse. Alors ça peut vous paraître assez simple comme ça, mais croyez-moi, ça ne l'est pas. Ça peut très très vite dégénérer. Vous allez voir d'ailleurs, dans ce donjon, c'est pas forcément tout le temps évident. Mais normalement, je suis prêt. Je vais juste vérifier parce que ça va pas. Les flèches, on va refaire le plein de flèches. Hop, voilà, en plein combat, j'ai pas besoin de refaire le plein. Je refais le plein une bonne fois, comme ça je serai tranquille. Toi c'est bon, toi c'est bon, toi c'est bon. J'ai des potions, j'ai tout ce qu'il faut, je suis préparé. Je m'attends au pire parce que je le connais un peu, ce donjon. C'est le tout premier, et le problème quand vous faites vos premiers donjons, c'est que vos personnages sont pas forcément au niveau, et du coup ça peut être un peu galère. Allez, ici on attaque une toute nouvelle zone. Il y a de fortes chances qu'on se retrouve nez à nez avec des créatures. Ah, on a une petite crypte ici, je l'avais oublié celle-là. Je vais être franc, je l'avais oublié. Suspense, que se cache-t-il là-dedans? Alors ça charge un peu. Allez, on se dépêche. Téric, vous n'êtes pas le bienvenu ici, allez-vous-en. Qui êtes-vous? Je m'appelle Téric, mon frère et moi protégeons cette crypte des intrus, allez-vous-en. Pourquoi je ne suis pas le bienvenu? Vous ne faites pas partie des fidèles, seuls les serviteurs de la foi peuvent entrer ici, allez-vous-en. Je cherche le mal qui sévit à Kuldahar. Kuldahar, jamais entendu parler, je ne sais rien sur... si vous n'êtes pas responsable alors qu'il l'est. Je ne sais pas, j'en ai assez de questions, allez-vous-en. Je n'ai pas l'intention de partir. Mourez. Bon, très bien, ben on y va. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un gros squelette ici, c'est squelette de la mort qui tue, plus deux ghouls, ça va pas forcément être génial. T'as pas l'air de vouloir venir. Si je te balance un truc dans la gueule, est-ce que ça va te faire venir? Pot de pierre, on va le mettre tout de suite sur notre palouf. Pot de pierre qui augmente considérablement l'armure de notre personnage. On va lancer aussi peut-être une petite bénédiction sur l'ensemble du groupe. Et on va balancer évidemment un bon projectile magique dans sa gueule. Comme ça on sera tranquille. Vous avancez ou pas? Ça y est, ils avancent. Donc toi tu te mets ici, toi tu te mets... Non, 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 restez là, prenez votre bénédiction. Elle arrive. Allez! La bénédiction est lancée, c'est parti, on y va, on canarde. Allez, on défonce le squelette, s'il vous plaît. Faites-moi plaisir, attention, parce qu'il y a la goule. Presque mort, il est déjà presque mort. Un peu comme mon paladin, d'ailleurs. Qui, fidèle à lui-même, continue de déguster. Il prend cher, il prend des sacrés coups. Ça y est, il est mort. 500 points d'expérience, ça fait plaisir. Allez, on éclate les zombies maintenant, blessés, morts, on enchaîne avec lui. Voilà, plutôt pas mal, hein. Ça s'est bien passé cette séquence de combat. Tant mieux pour moi. Voilà, super, on les a explosés, vous avez assuré les gars. Alors, potion non identifiée, qu'est-ce que c'est que cette potion? Potion de transfert d'action, on trouve généralement les potions... De... Ah oui, d'accord, donc ça augmente 1 en charisme, mais ça baisse ma dextérité, donc c'est totalement stupide. C'est permanent, donc je vois pas l'intérêt de perdre en dextérité pour gagner en charisme, c'est une potion qui évidemment sera vendue, et qui va nous rapporter pas mal d'argent. Ça se vend bien, ces potions-là, effectivement. Alors là, ça sent le piège à plein nez. On va prendre notre voleur, bien sûr, et on va le faire passer devant, puisque là, je vous le dis, ça sent le piège. Petit squelette. Allez, petit squelette, viens là, pas de soucis. Paré. Finissons-en maintenant. Voilà, il arrive, il est déjà mort, le bordel. Presque mort. Un petit coup dans le squelette. Voilà, super. Comment puis-je te... Volontiers. Allez, continue d'avancer.
Hop, pas de soucis avec celui-ci. Et les enfers avec moi. Je me rendrai utile de tout. Qu'est-ce qu'il y a? T'as pris un coup sur la tronche? C'est pas grave, t'as l'habitude. Certainement. Allez, encore. Ouh là 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 là. Allez, on recule cette fois-ci. Oui. Hop, très on bien. Laisse passer oui, bien notre sûr. Ami. Et hop, je suis prêt. On y va. Voilà, super. Ouais, les deux guerriers font rempart, comme ça les squelettes ne peuvent pas passer. Et on est tranquille. Putain, il a bouffé. Il a vraiment dégusté. Allez, déglinguez-moi ces squelettes, s'il vous plaît. Ils sont pas résistants. Normalement, un bon coup d'épée bien placé, on n'en parle plus. Voilà, super. Encore un ici. Arrête de rire, arrête de rire. Ok. Allez, on y va. On avance encore un tout petit peu. Alors, pourquoi tu peux pas passer? Ce serait bien si tu bougeais ton gras. Voilà, c'est bien. Alors, pas mal de squelettes, c'est pareil, on attend, on bouge pas, ça va arriver tout seul gentiment. Voilà, super. Allez, allez, allez. Voilà, squelette est fait. Alors ça va, les squelettes, ils sont pas très très résistants, puis ils font pas non plus énormément de dégâts. Ils rapportent suffisamment d'expérience pour permettre sûrement à mon mage de monter dans pas longtemps. Je dis pas de bêtises, on va vérifier ça après le combat. Allez, il y a encore un au moins ici. J'arrive. Encore un au moins ici. Le petit dernier, parfait, super. Alors le mage. Ouais, le mage, regardez, ça va monter dans pas longtemps. Ça, ça fait plaisir parce que j'ai vraiment besoin d'un mage niveau 3 pour aborder le donjon dans de bonnes conditions. Sans aucun problème. Je me rappelle plus du tout de cette zone. Faisons une petite pause. C'est pas une zone très très grande. Mais alors là, j'avoue que... Je me rappelle plus du tout. On va toujours avancer avec la détection des pièges. Une goule. Une goule, une goule, on change d'arme. On tire à distance cette fois-ci. Tu n'as qu'un mot à dire. Voilà, on canarde la goule, toi tu recules. Voilà, tu canardes ici, c'est parfait. Oh super, regardez ça, la goule a même pas eu le temps d'arriver qu'elle est déjà morte. J'adore cette technique. Super. Super, super. Alors quand ça se passe comme ça, ça fait plaisir. Ce sera évidemment pas toujours le cas, donc on en profite. Ouh là là, regardez ça, j'ai bien fait de faire la détection des pièges. Ha! On me la fait pas, moi. On me la fait pas. Ok, tout le monde peut avancer. Tu peux compter sur moi. Comment puis-je me rendre? Attention, une goule. À des ordres. Comment puis-je te servir? Une goule, une goule. On y va. Voilà, elle est morte. Super, on continue. Mon combat est le tien. Allez, on continue, s'il vous plaît. Voilà, ça c'est bon, c'est parfait. Je me rendrai utile de toutes les manières possibles. Détection des pièges, encore une goule. Tu n'as qu'un mot à dire. Alors la goule. On va se dépêcher s'il vous plaît de tuer les squelettes. Pour se concentrer sur la goule quand elle sera là. Autre compris. Dégage toi, qu'est-ce que tu fous là? Je suis là. Vous avez pas envie de taper le squelette là? Ce serait bien. Ce serait vraiment très bien. Ce serait pas une mauvaise chose. Voilà, super. Désolé. Voilà, allez la goule, s'il vous plaît. Quels sont les ordres? Tiens, tu vas en profiter pour faire un petit soin. Oui. Et toi, tu y retournes. Bien sûr. Oh oh. Oh là, il y a de la goule ici. Oui. Les corbeaux vont bientôt se régaler. Allez, on y va. Attention, on a tiré du monde, là. On a tiré du monde. On se fait les petits squelettes. Allez, la goule. C'est bon. Oh, le nain qui est pétrifié, c'est jamais bon quand on a un nain de pétrifié. 30, 45, on peut lui mettre un gros soin. On peut lui mettre un gros soin. Je suis prêt. Bouge pas, toi. À genoux. Voilà, il a attiré plein de monde, cet abruti. C'est bon, le mage a monté. Ça, ça fait plaisir. Ah là là, il est encore pétrifié. Lui. On va faire du soin non-stop hein, sur le nain qui prend très très cher. Allez, allez, déglinguez-moi tout ça, là. On va déglinguer la goule, après. Voilà, la goule, s'il vous plaît. Super. Encore un bon coup dans sa tronche, s'il vous plaît. Allez, allez, encore un petit peu, un petit peu. Voilà, super, super, super. 650 points d'expérience, la goule.
Je suis tout, oui. On y va, on continue de soigner. Elle est morte! Elle s'est faite one shot! Oh, j'y crois pas, mais j'y crois pas! La vieille arnaque, quoi, sérieux! Putain, j'avais juste à la faire monter en plus, quoi. Non, 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 j'ai pas que ça à foutre, quoi. Mais c'est terrible, ça! Celui-ci est à moi! C'est pas vrai que c'est pas vrai que c'est pas vrai, quoi. Putain, one shot, quoi, 8 points de vie en moins. Ah, flûte! Suivez-moi! Effectivement, pour une fois que c'est pas le paladin. J'ai pas fait gaffe, hein. J'ai pas surveillé les arrières et elle a dû prendre un sale coup. C'est fait. C'est quoi ça? Ah bah oui, c'est c'est les objets du mage. Oui. Évidemment. Je n'échouerai pas. Toi t'es plein, comme ça c'est tranquille. D'accord. Toi aussi t'es plein. T'as, bah, tout le monde est plein là. Allez viens là toi. Bien sûr. On va se partager les objets du mage. Ah, je suis dégoûté, quoi. Dégoûté parce que ça veut dire un retour en ville automatiquement pour ressusciter le mage. Ouais. C'est évident que je peux pas faire le donjon sans le mage, quoi. Attention, on a déjà perdu un membre de l'équipe. Ombre, ombre mineure, elle est là, on y va. Allez, des ombres. Le problème, c'est qu'il prend pas de l'expérience du coup le mage, quoi. Attention, 14 points de vie. On va faire le soin sur le palouf. Allez! À l'attaque! Vous allez la déglinguer cette ombre? Voilà, super, next! Voilà! 350 points d'expérience qui n'iront pas à ton service. Pour notre magicien. Cela sera fait. Alors, on avance tout doucement. Là, il y a un trésor. On va détecter les pièges. Ici, encore une goule. Y a-t-il quatre seuls à mettre ? Reviens en arrière tout de suite. Voilà. Parfait. Super, 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 super. Et ça sent bon le trésor. Ça sent très, très bon le trésor ici. Une dague. Oh, on a vraiment pas mal de choses. Alors, on fait une petite pause. On va s'équiper. Je pense que ce sera mieux. Hop, ça, on le laisse à toi. Les podietti, j'en veux plus, hein. Ça sert plus à rien, les podietos. Une dague, un sort. Qu'est-ce que c'est que cette belle dague? Une dague, un des 4 plus 1. Super. Donc tu vas la donner... Bah, franchement, le problème, c'est que les dagues, je vais jamais m'en servir, quoi. Et je vais tout le temps canarder à distance. Je vais jamais me servir des dagues, donc... Je vais la revendre, je pourrais m'acheter des potions comme ça. Ouais, je pense que c'est mieux. Ça sera fait. On va la revendre. Alors, là-haut, il y a quelque chose. Un parchemin d'invisibilité et des pièces d'or. Je prends, évidemment, je prends avec plaisir. Le tien. Le devoir et là, il y a encore un sarcophage. Oh, attention, des ombres mineures, baston. Sophie. Ici. Qu'attends-tu de moi? Ok, tu l'as eu, parfait. Tu n'as qu'un mot. Ça va, 22 points de vie, supporte, pas de problème. Allez, allez, allez. Allez. Presque morte. Un dernier petit coup, ce serait sympathique. Voilà, super, bien joué. Donc ici, on va détecter les pièges sur ce truc parce que ça sent l'arnaque. Ça sent l'arnaque. 1, 2... 3, y a rien. Oh, oh, la détection des pièges qui a foiré, quoi, j'y crois pas. Donc ça c'est bon, l'armure est pétée. Je suis là. Le on peut peut-être la prendre malgré tout pour voir si le forgeron peut pas la réparer. On a trouvé une clé. Clé du sanctuaire. Ok, parfait. C'est la clé du donjon en fait. Oui. Et oui, il y a un piège ici. Et il me détecte le piège seulement quand je me le suis bouffé, quoi. Elle est pas mal celle-là. Ah vraiment, elle est pas mal, quoi.
Elle est pas mal du tout. Bon, ok. Il a détecté le piège. On a trouvé la clé du sanctuaire. On va pouvoir se faire le sanctuaire, évidemment. Vous en doutez bien. C'est une question de logique. On peut pas faire le sanctuaire sans notre mage. On a vraiment besoin du mage. Surtout qu'il a monté. Donc, il a tous les sorts de niveau 2. Et dans les sorts de niveau 2, il y a les flèches d'acide. Alors, vous savez pas forcément ce que c'est que les flèches d'acide. Mais c'est un sort vraiment pratique. Puisque il envoie de l'acide sur un personnage qui non seulement le brûle sur le coup, mais qui le brûle sur de long terme. C'est-à-dire qu'à chaque tour, il va perdre des points de vie jusqu'à la mort. Et du coup, ça en fait un sort très redoutable, surtout contre les momies, puisque les momies, pour les tuer définitivement, il faut les brûler. Voilà, donc voilà. Ouais. Donc la clé du sanctuaire, le sanctuaire se trouve ici. On va faire un petit retour en ville, vendre, s'équiper, ressusciter, et puis on va attaquer le donjon. Je pensais pas mettre autant de temps, faut dire que j'ai pas eu de chance. C'est vrai que si le mage était pas mort, on aurait pu voir le donjon tout de suite. C'est pas le cas, hélas. Voilà, pas pour longtemps, hein. dans 5 minutes c'est bâclé. Le temps pour moi de remonter là-haut. Voilà, remonter exactement ici. On va les attendre. Dans la ville, je vais ressusciter, équiper. Je vais aller faire un petit tour au forgeron pour voir ce qu'il en est. Pourquoi pas vendre un peu les potions, en racheter. Comme ça, je partirai vraiment dans de bonnes conditions pour le donjon. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus intelligent à faire. On vendra la dague aussi. Il y avait une dague, on s'en souvient, qui me servira à rien, donc autant la vendre. Allez, s'il vous plaît, on y va. Kuldahar. Yes. Donc, le forgeron se trouve là-haut. On y va tout de suite. Non, on va pas au forgeron, c'est stupide, j'ai un mort. Je m'en occupe. On va voir le prêtre. Logique. Pour ressusciter notre mage. En plus, ça libérera des places d'inventaire pour les autres. Alors, c'est bien le mage parce qu'il a monté, du coup, il va pouvoir passer à 16 points de vie. Ça évitera les one-shots à 8 points de vie dans la gueule. Par contre, effectivement, c'est pas donné à chaque fois de ressusciter les personnages. 150 pièces d'or, je crois. Alors, 320, donc c'est bon, j'ai de quoi faire. Tac, rappel à la vie, 200 pièces d'or. Voilà, merci. Donc, ça c'est quoi? Transfert, je vends. Potion d'isolation. Ce potion convient une résistance à tous les dégâts d'électricité. Le sort bien pourri, quoi. Enfin, la potion bien pourrie. Ce sera fait. Allez, on va vendre. On va vendre. Potion de transfert, 150 pièces d'or. Et potion d'isolation, 50 pièces d'or. Bon, mais c'est toujours ça de prix. Un d'autre à vendre. Ok, allez, on va rééquiper notre ami mage. En lui donnant toutes ses daubes. Toucher glacial. Ok. Invisibilité. Ok. Toi, tu dois avoir du stuff. Voilà, parfait. Hop, 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 hop. Donc toi. Hop. Évidemment, tous ces billes ne t'appartiennent pas. On a un sort ici, c'est quoi ça comme sort? Un truc de vampire, je sais pas quoi. Vapeur colorée, ce sort fait apparaître. Ah oui, c'est pourri. Hop. Je ne le prendrai pas. On va faire monter le mage. Hein. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer un peu les nouveaux sorts. Hop, voilà, parfait. Donc toi t'as pas d'armure, hélas. Ouais, ça c'est pareil, il faut que je garde tout ça. J'ai tellement de trucs. Ok, allez le mage, il est temps de monter. Ce qui serait bien c'est qu'on trouve une robe. 12 points de vie, ah t'as pris que 12 points de vie, t'es vraiment nul. Donc ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Identification, on garde. Voilà, super, les sorts de niveau 2 je vous l'ai dit. On va prendre ça, hein. C'est les flèches d'acide dont je vous ai parlé il y a quelques secondes. Il y a l'incinérateur aussi qui est plutôt pas mal quoi. Non, on va prendre les flèches d'acide. On va prendre les flèches d'acide puisque je connais la puissance de ce sort et je sais qu'il va être très intéressant. Donc on y va. Allez, on va passer la nuit à l'auberge. On va d'abord aller voir le forgeron. Je m'en occupe. J'ai trouvé une armure cassée, donc ça se trouve, je me dis qu'il peut peut-être la réparer. Et dans l'optique où il la répare pas, de toute façon, je la laisse au sol et on n'en parle plus. Donc pas de problème par rapport à ça. Allez, on grimpe, s'il vous plaît. Voilà, on arrive. Forgeron qui fait tourner son établissement rien que grâce à nous. Allez, ouais. Hop. 200 pièces d'or l'armure brisée. Donc il la répare pas, par contre il l'achète. Et ça, clairement, ça fait plaisir. Donc l'arc, qui c'est qui avait le... Voilà, la dague, 150 pièces d'or la dague, on vend. On est à 675, on va peut-être pouvoir s'acheter une armure.
On va peut-être pouvoir s'acheter une armure. Qu'est-ce que tu peux t'équiper, toi? Ce serait pas mal d'équiper un peu notre mage. Un bracelet qui coûte la peau des fesses. Ouais, y a pas grand-chose. Toi, tu peux rien porter en termes d'armure. T'es vraiment nul. L'armure de plate qui peut être assez énorme. Classe d'armure 3. Vous notez, les gars. Classe d'armure 3. Donc, on va tout de suite regarder si c'est intéressant de l'acheter. Classe d'armure 4. Eh ben oui. Eh ben oui, c'est intéressant de l'acheter. Classe d'armure 4. On va l'acheter pour notre palouf. Allez, on va faire des folies. L'armure à 762 pièces d'or. Vous ne pouvez pas vous offrir tous les objets. C'est... Ah, j'ai que 675. Tu te fous de moi? Y a pas moyen de l'acheter? Eh non. Bon, bah, on va aller acheter des potions à la place. Hein. On va aller acheter des potions, hein, tant pis pour l'armure. Potions qui sont obligatoires. Hein. Vous le verrez, il y a vraiment des séquences de jeu dans le donjon qui sont assez tendues. Et du coup, le fait de balancer des potions de feu, je pense surtout aux potions de feu, sont des séquences qui vont être inévitables. Et c'est pour ça que je préfère m'équiper. Allez, on va acheter de la potion. Je m'en occupe. Arrête de bouger, toi. Hop, voilà, donc ce que je vais acheter, c'est ceci. Huile de feu ardent, super. Combien ça coûte les petites potions de feu là? 255, ça coûte cher. T'emmerdes pas toi quand même. J'ai peut-être une potion à te vendre par contre, tiens. Je pense à ça. Elle doit pas être loin, elle est là. Potion de force, je la garde. Je vais pas la vendre, ça augmente la force. Pour les boss, pareil. Ça peut être très intéressant. Par contre, je me demande pourquoi c'est toi qui l'as. Alors que clairement le paladin. Ce serait pas plus mal. Et toi, hop, ceci. Elles sont où tes potions d'ailleurs? Voilà, elles sont là. Donc toi, t'es vraiment pas un mage de pacotille. T'es bien équipé en termes de potions de feu. On va faire des ravages avec tout ça. Ça fait plaisir. Tu peux compter sur moi. Allez, on va passer la nuit à l'auberge. Je m'en charge. Hop là. Et comme ça, on pourra attaquer le donjon dans de bonnes conditions. Pour l'épisode 8. Alors je sais pas combien de temps va durer le donjon. Je sais qu'il est assez grand, c'est pas le plus grand hein, évidemment. Il y a un donjon dans l'acte 2 je crois qui se passe sous un volcan. Je sais plus combien il a de niveau mais il est infernal le donjon. Donc celui-là est évidemment bien plus petit, mais risque de nous occuper quand même malgré tout pas mal de temps. Allez, on passe la nuit. Tu peux compter sur moi. Une chambre noble s'il vous plaît. Et voilà, du coup notre mage, regardez ça. Et voilà, elle a des nouveaux sorts. Un sort d'acide qui va être fort pratique. Allez, donjon, nous voici, nous voilà, on y va à l'attaque. Alors ça fait longtemps que vous n'avez pas eu de petite bulle de dialogue, hein, c'est normal, les bulles de dialogue sont ajoutées post-production, elles sont fixes. Donc quand les personnages sont en mouvement, je peux pas ajouter des bulles de dialogue en fait. Parce que la bulle de dialogue ne suit pas le personnage. Encore une fois, c'est des bulles de dialogue fixes. Du coup, sur ce genre de séquence par exemple, je peux pas mettre une bulle de dialogue sur le personnage puisque le personnage avance alors que la bulle restera fixe. Donc sur ce genre de séquence, pas de bulle de dialogue et je m'en excuse. Allez, on y va, c'est parti, oui ou non, c'est parti. La vallée des ombres, il y a beaucoup de ce sera fait de zones différentes dans le jeu. On les découvrira, je l'espère, au fil de l'aventure. On n'est pas là encore pour l'instant. Mais croyez-moi, la carte est énorme. La durée de vie du jeu est assez élevée, surtout qu'il y a deux add-ons. Hein. Donc, un add-on qui rajoute je sais plus combien d'heures de jeu, c'est pareil, qui est très compliqué. Alors, autant le premier add-on est vraiment pas évident en termes de difficulté, autant le deuxième est juste hardcore. Mais vraiment hardcore. Hein. Y a des monstres de haut niveau, ça se passe dans un château, je crois, dans un manoir. Et voilà, c'est vraiment l'enfer. Je pense pas que j'arrive à tenir jusqu'au deuxième add-on, à mon avis je serais mort au moins une fois. Arriver à faire le jeu sans mourir intégralement, c'est déjà un exploit, donc à mon avis j'irai pas jusqu'à l'add-on. Allez, c'est parti, on y va en attaque. Oh là là, 4 ombres quoi. T'embêtes pas quoi, 4 ombres d'un coup quoi. Allez, il y en a une en moins. Voilà, déglinguez-moi tout ça s'il vous plaît, ça fait plaisir. Une deuxième.
une troisième, et ça fait de l'expérience. Ça fait de l'expérience, c'est bon à prendre tout ça. 3, 6, 9, 12, 13, 14, 1400 points d'expérience on a pris là. Donc c'est pas mal du tout. Allez, on y va, on devrait pas être loin. Pause. Oh là 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 là, allez encore. Ouh là là, ils sont un peu plus nombreux cette fois-ci. Il va falloir se méfier malgré tout. Allez, une en moins. On va lui balancer un bon soin, il a monté. Notre prêtre a monté. Ça fait plaisir. On va le soigner tout de suite. Ok, on rebalance un soin. Petit soin très léger sur le paladin. Voilà, c'est parfait. Bougez-vous là. Bougez-vous. Non. Très bien. Pas se permettre de perdre encore une fois notre mage. Ça suffit les bêtises. À un moment, faut arrêter. Voilà, super. Allez, on se fait lui cette fois-ci. Allez. Un bon petit coup d'épée dans la tronche, s'il vous plaît. Ce serait pas mal. Presque mort. Voilà, super. Allez, piquez lui. Tu as besoin de moi ? Prêt ? Je ne perdrai pas de temps. Toi, t'as une bonne maladie. C'est quoi comme maladie ? T'es malade. Allez, filé une bonne diarrhée. À 420 points d'expérience, ça fait plaisir. Donc allez, tu as monté. Eh ben, on en profite. Niveau... Ouais, super. Niveau 3, t'as passé à 32 points de vie. Les armes de projectiles, ce serait pas mal. Hein. Gourdin, bâton, qu'est-ce qu'on peut te foutre, franchement. Gourdin, non. Marteau, masse d'armes, fléau, peut-être même pas. Quoi. Allez, gourdin, à la limite gourdin, mais c'est vraiment histoire de dire que je te file quelque chose. Donc là, on a gagné des soins. Apaisement. Le prêtre insuffle un regard au corps de l'humain, ce qui augmente le moral au maximum. Donc ça, c'est un truc qui augmente le moral. Ça, on a déjà la bénédiction. Détection du mal, on s'en fiche vraiment quoi. Ce sort permet au prêtre d'enjoindre une créature de mourir pendant un round. Ouais, c'est vraiment pourri. Pierre magique, je connais, c'est pourri. Et ça aussi, c'est pourri. Donc, qu'est-ce que je peux te foutre? Allez, un petit truc de morale, ok, pourquoi pas. Donc là, on a regagné un gros soin, ça fait plaisir. Qu'est-ce que je peux gagner? Ralentissement du poison, c'est pas terrible. Quantique. Sur lui-même et ses compagnons, tout en nuisant ses ennemis grâce à ce sort. Plus un au jet d'attaque. Moins plusieurs quantiques ne sont pas nuls. Ah, c'est pas mal ça, un petit quantique pour booster un peu les attributs du personnage. Ok, super. Voilà, on a gagné un petit sort. Le devoir m'appelle. C'est parfait pour les futurs donjons. Donc toi, t'as une maladie, on va te surveiller évidemment. Et puis voilà, on est sur l'entrée du donjon, tout simplement. On est sur l'entrée du donjon. Et puis je vais vous laisser sur cette petite pointe de suspense, je vais même pas vous faire l'honneur de rentrer dans le donjon pour vous forcer à regarder le prochain épisode, puisque dans le prochain épisode on attaquera donc ce fameux donjon qui s'annonce assez intense, hein. Il y a pas mal de créatures à l'intérieur, il y a surtout de grosses récompenses, et puis ça permettra à mon groupe de gagner de l'expérience. www.iplayforyou.fr pour connaître la date de sortie du prochain épisode. À la prochaine, salut à tous.